La ventilation protectrice vise à limiter le risque de survenue de mécanismes de Villi. Elle s'applique ainsi tout particulièrement aux patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et nous allons voir dans cette vidéo comment régler le volume courant et la fréquence respiratoire au cours d'une ventilation dite protectrice. Vous avez vu qu'un des principaux mécanismes de Villi était la surdistension. Le contrôle du volume courant représente donc la pierre angulaire de la ventilation protectrice. Il est ainsi recommandé d'utiliser un volume courant entre 4 et 8 ml par kilo de poids prédit. En pratique, 6 ml par kilo de poids prédit. Le poids prédit se calcule en fonction du sexe et de la taille. Sur un des canaux vidéo, vous avez à disposition la formule en question ainsi qu'une table donnant le volume courant de 6 ml par kilo de poids prédit. Vous retrouverez aussi ce document parmi les ressources complémentaires du MOOC. Supposons que nous avons ici une patiente d'1,65 m. Son volume courant de 6 ml par kilo de poids prédit est de 340 ml, 342 ml très exactement. Ainsi, le volume courant actuellement réglé sur notre ventilateur à 450 ml est trop élevé. Il faut le ramener à environ 340 ml. Une fois le volume courant ajusté, il faut s'assurer que la pression de plateau reste inférieure à 30 cm d'eau. Ainsi, si la pression de plateau excède 30 cm d'eau, il faut diminuer soit le volume courant, soit la PEP. Je vais donc mesurer notre pression de plateau. Vous pouvez observer qu'actuellement, notre pression de plateau dépasse 30 cm d'eau et à 33 cm d'eau. Je vais donc, par exemple, diminuer la PEP qui est ici ajustée à 18 cm d'eau et je vais la diminuer jusqu'à 14 cm d'eau. J'attends quelques cycles et je remesure la pression de plateau. Voilà, nous avons atteint notre objectif. La pression de plateau est maintenant inférieure à 30 cm d'eau. Il est alors intéressant de mesurer la driving pressure, la pression motrice, qui, je vous le rappelle, correspond à la pression de plateau moins la PEP totale. Il est préférable de maintenir sa valeur inférieure ou égale à 14 cm d'eau. En effet, la pression motrice correspond au volume courant divisé par la compliance. Et je vous rappelle que la compliance est corrélée au volume pulmonaire de fin d'expiration, c'est-à-dire au volume pulmonaire disponible pour la ventilation, au volume qui reçoit le volume courant. Ainsi, si sa valeur dépasse 14, il est préférable d'essayer de diminuer encore le volume courant. Je vais donc mesurer la driving pressure. Notre pression de plateau est à 29 cm d'eau. Je vais réaliser une pause téléexpiratoire afin de rechercher éventuellement de l'autopep. On voit au cours de la pause qu'il n'y a pas d'autopep. La driving pressure correspond donc à 29 moins 14, soit 15 cm d'eau. Notre driving pressure est donc actuellement supérieure à 14 cm d'eau. Je vais donc diminuer encore le volume courant et au bout de quelques cycles, mesurer à nouveau la driving pressure. Pour ce faire, je mesure à nouveau la pression de plateau. La pression de plateau est maintenant à 27. Notre driving pressure est donc maintenant de 13 cm d'eau, soit moins de 14 cm d'eau. Enfin, on pourra rechercher un aspect de stress index qui, je vous le rappelle, témoigne d'une ventilation au niveau du point d'inflexion supérieur de la courbe pression-volume. Cet aspect doit nous inciter à diminuer encore soit la PEP, soit le volume courant. Ici, nous n'avons pas d'aspect de stress index. Alors, étant donné le faible volume courant ajusté au cours de la ventilation protectrice, la fréquence respiratoire est généralement réglée entre 25 et 35 cycles par minute dans le but de maintenir un pH supérieur ou égal à 7,30. Ainsi, en cas d'acidose respiratoire importante, il est préférable d'augmenter la fréquence respiratoire plutôt que le volume courant dont le contrôle
reste la pierre angulaire de cette ventilation protectrice. Ici, notre fréquence respiratoire est ajustée à 20 cycles par minute. Il est fort probable qu'elle soit insuffisante. Je peux donc l'augmenter à 28 cycles par minute. Vous verrez dans les vidéos suivantes comment considérer l'ajustement de la FiO2 et de la PEP au cours de la ventilation protectrice.